Je m'appelle Virginie Tomaso, j'ai 38 ans, je vis en Vendée, je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis entrepreneur depuis maintenant 2 ans. En fait, j'étais commerciale depuis 10 ans et en fait, j'ai toujours rêvé de me mettre à mon compte, sauf que je me sentais pas légitime parce que qui dit commercial dit pas avoir un vrai métier dans les mains. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur en me disant je ne sais pas faire, donc je ne saurais pas gérer des gens. Donc en fait, j'ai jamais passé le pas d'avoir la confiance en moi et d'avoir une entreprise. Le sentiment que j'éprouvais face à ça, c'est de me dire que je vivais pas ma vie avec tout le potentiel qu'elle devait, que je pouvais gagner plus d'argent, être plus heureuse en famille, voyager plus. Et en fait, il me manquait quelqu'un qui me boostait et qui me montrait les clés pour me dire quoi faire pour atteindre ce niveau-là. Toute seule dans mon coin, je me disais c'est bien ce que j'ai déjà, mais j'arrivais pas à avoir plus et je savais pas par où aller. Ma vie personnelle était affectée par rapport au fait que du coup j'étais en surpoids, que je savais comme tout le monde qu'il fallait faire du sport, bien s'alimenter, mais que voilà je le faisais pas. Donc du coup pas d'estime de moi parce que je me sentais grosse, donc pas belle. Donc du coup en découle le fait qu'on a l'impression de plus plaire à son partenaire et la confiance en soi qui diminue un peu. J'ai découvert Max au travers de ma sœur qui l'avait découvert elle-même via Facebook et qui faisait le programme ECA, Excellence Coaching Academy, qui m'a dit de regarder les vidéos. La première fois que j'ai regardé une vidéo de Max suite aux recommandations de ma sœur, je me suis dit que c'était carrément un gourou, que voilà, c'était une show à l'américaine, qui prenait de l'argent sur des programmes en des vidéos. Donc j'ai dit, ça c'est pas pour moi. Donc je l'ai appelé pour lui dire que c'était nul. Et puis 2 heures après, j'ai acheté le programme Renaissance, qui a, comme dirait Max, changé ma vie. C'est vraiment 9 mois de fou. Donc j'ai fait le programme petit à petit, tous les mois. J'ai implémenté absolument tout ce qu'a dit Max. Et dans le programme, il dit souvent que même si on ne croit pas ce qu'il dit, il faut le faire au minimum pendant 1 mois. Et se faire un jugement après. Donc j'ai fait, comme tout le monde, j'ai arrêté de critiquer, j'ai commencé à manger des graines, je suis allée courir, voilà. Et au final, après 9 mois, j'avais perdu 25 kilos. Je me suis fait opérer chirurgicalement parlant tellement j'avais perdu de poids. Je me suis mis à faire du sport, j'ai entraîné mes enfants là-dedans. Ça a été franchement une révélation. Ça a changé ma vie aussi bien au niveau de ma relation avec ma femme, avec mes enfants, avec mon business, ma relation moi de corps. Et après, ce que j'adore dans les programmes de Max, c'est que au lieu de nous dire c'est bien de manger sain ou d'aller courir, en fait, il nous explique toujours ce que ça fait. C'est-à-dire que vous allez apprendre que vous allez manger sainement, donc vous allez avoir plus de vitalité, donc vous allez être plus productif. Donc le soir, vous allez avoir plus de temps accordé aux vos enfants. Et vous avez toujours une raison à ce que vous faites. En fait, moi, j'ai besoin de comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais. Et ça, avec Max, c'est génial, mais on a toujours des super exemples. Du coup, je passe plus de temps avec mes enfants. Et la plus belle des réussites, à la fête des mères l'année dernière, ils m'ont fait un petit diplôme à l'école et en fait j'avais des notes. J'avais des notes sur 10 et en fait ils m'ont mis pratiquement 10 à toutes les notes qu'on jardinait plus, qu'on cuisinait plus. Et quand ils m'ont redonné, ils m'ont dit tu diras merci à Max. Vous voyez, j'ai l'émotion qui vient parce que c'est grâce à lui si on passe plus de temps ensemble. Ça, c'était la plus belle réussite. J'ai choisi Max parce que moi je suis un peu vive d'esprit et j'aime bien quand ça bouge. Et en fait, Max a ce don d'emmener les gens avec soi et d'avoir une forme, un punch de fou. Et du coup, c'est cette folie qui m'a plu en lui. Et puis quand pendant 4 mois, vous entendez tous les jours que vous êtes capable, que vous allez y arriver, qu'il suffit d'apprendre, que vous sautez le pas. Donc j'ai racheté une entreprise d'un 500 000 euros dans la peinture, alors que je suis pas peintre et que voilà, j'y connaissais rien, mais il y a un moment, j'ai réussi. Du coup, j'ai fait ça et c'était l'année dernière, donc en 2021, et en un an, j'ai mis 15 000 euros de côté, chose que je n'avais jamais faite. Donc encore une fois, j'ai juste appliqué bêtement les principes de Max, mettre 10%, se payer en premier, des choses que tout le monde est capable de faire, mais qu'on fait pas parce qu'en fait, on a 42 000 abonnements et il n'y a pas besoin de gagner 10 000 euros par mois pour pouvoir mettre de côté et se créer un patrimoine et de penser à réinvestir. Enfin, on n'a pas ce mécanisme-là qu'on nous apprend jamais, ni à l'école, ni nos parents. Alors, pas par le fait de vouloir nous cacher ça, mais nos parents, c'est juste parce qu'ils nous préservent. Et donc, du coup, on a peur de mettre de l'argent, des placements, etc. Donc, voilà. Et en juin 2021, j'ai fait Business Max. Ah, c'était une révélation. Et j'avais acheté l'entreprise il y a seulement 1 an. Le premier déclic, ça a été de me dire, si tu veux, tu peux. Et en fait, j'ai adopté ça dans toutes les phases de ma vie. Une phrase que Max dit souvent, c'est « je sais pas comment, mais je vais y arriver ». Je mets 30% de tout ce que je gagne de côté, que j'investis dans différents endroits que Max nous explique pendant Finance Max. Donc du coup, j'ai beaucoup plus d'argent de côté que je réinvestis. Et au niveau professionnel, du coup, j'ai racheté la première société il y a 2 ans, 500 000 euros. Là, j'en rachète une autre le mois prochain qui coûte 600 000 euros. Et du coup, je me développe dans l'immobilier suite à ça. Donc voilà, donc après forcément la rémunération que j'avais en tant que commercial a été multipliée par 2, donc je suis passé de 3000 euros que je gagnais par mois à 6000 euros en tant que chef d'entreprise. Du coup, j'ai fait Business Max en juin 2021, l'entreprise faisait 720 000 euros de chiffres et j'avais 6 personnes.
Et je l'aurais fait en juin 2022 et du coup nous avons tapé le 1,5 million de chiffres et on est 12 donc c'est super. Suite à ça, je rachète une autre entreprise de peinture pour faire une croissance externe et du coup ben, je m'éclate dans ce que je fais. Et si j'avais pas les conseils de Max et le fait d'avoir tous ces séminaires, sincèrement je le ferais pas. Donc j'ai mis en place ce qu'on appelle des tableaux de bord, savoir qui faisait quoi, combien c'était. Alors moi dans mon métier, combien on était payé à l'heure, combien on était payé au mètre carré, qu'est-ce que ça nous coûtait, de voir les charges. Et tous les mois on avait un objectif, revoir les charges, développer le chiffre. Revoir la marge. Dans Business Max, on nous apprend à créer quelque chose pour le client. On n'est pas là pour faire de l'argent. Alors, vous allez nous dire que si, mais on en gagne à la fin. Mais en fait, si on est passionné par notre métier, si on rend service aux clients, si on embellit leur vie, en fait, tout revient. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Le fait d'offrir un petit cadeau à chaque client, chose que personne ne fait dans le bâtiment. Les clients me rappellent pour me remercier en me disant « Oh, c'est génial, vous faites ça. » Ils pensent à nous et ça revient. Et en l'espace d'un an, en mettant toutes ces petites choses mis bout à bout, on a doublé le chiffre d'affaires, on a doublé la marge. On a doublé du coup le nombre de personnes que j'embauche, donc du coup je fais vivre plus de familles, donc c'est clairement une fierté. Et sans Business Max, j'aurais jamais pensé mettre ces petits éléments bout à bout. Ce qui différencie Max des autres coachs, il dit vraiment ce qu'on a besoin d'entendre, ce qu'on doit entendre, et il a beaucoup de peps. Les trois quarts des gens qu'on regarde en coach, et ben du coup c'est mou et c'est ce qu'on appelle des motivateurs. Max, il n'est pas là pour motiver. Alors bien sûr, on saute partout, on se met en triple E, etc. pour avoir de l'énergie, mais au bout d'un moment, c'est juste qu'il faut faire ça, 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 ça. On a un plan détaillé. La force de Max, c'est pas de nous dire vous êtes beau, vous êtes gentil, vous allez y arriver. Si vous dire vous êtes beau, vous êtes gentil, vous allez y arriver, c'est sûr. Mais si vous faites ça, 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 ne lâchez pas. Marche par marche. Et le problème, c'est que des fois, on va aller trop vite, la motivation retombe et c'est foutu. Avec Max, on va pas trop vite. On fait marche par marche. Si vous voulez avoir une relation fusionnelle et passionnelle avec vos enfants, ça s'apprend. Si vous voulez avoir une entreprise demain, il y a des préceptes, il y a des principes qui font que n'importe qui peut y arriver. Donc il faut y aller, peu importe. Personne ne peut se targuer à l'heure actuelle d'avoir tous les domaines de sa vie magique. Que ça soit son corps, sa santé, sa vie de famille, sa vie de couple ou son entreprise. C'est pas possible. Alors, on n'a pas forcément des vies nulles. Il ne faut pas être en dépression pour faire un programme de Max. Moi, la preuve, j'étais déjà très, très bien. Mais on peut tellement aller plus haut et mieux et se rendre compte qu'il faut arrêter de regarder la télé et d'avoir des gens négatifs parce qu'en fait, on arrive le soir et on est triste et que la vie, elle est simplement magique. Donc, il ne faut pas hésiter. Sincèrement, il faut foncer.